Bonjour les gourmands, disons, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super méga giga bien, on est au taquet. Est-ce que on serait pas dans un décor de balade? Être bronzé, avoir chaud au mois de février, ouais. Nous, je vais vivre ça tous les ans maintenant. Et on est où, mon Inou? Oh, Maldives. Je sais pas c'est quoi les musiques maldiviennes. Je sais pas, je les connais pas. Donc on est aux Maldives, à l'hôtel Kurumba. On est reçus comme des rois. En fait, on a été invités par Cdiscount Voyage. Et je tiens à les remercier, parce que moi j'ai toujours été contre les longs voyages. Bon, surtout parce que j'aime un peu la pétrole. On va pas se mentir. J'aime pas trop l'avion. Mais honnêtement, ce séjour-là, je le dis, et sincèrement, c'est le plus beau séjour de ma vie. Mon amour. Non, mais c'est vrai. Et surtout, ils réalisent notre rêve, quoi. C'est incroyable. Et pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Cdiscount Voyage, je vous mets le lien de leur site juste en dessous, en barre d'infos. Ils proposent, comme vous pouvez le voir là où on est, plein de voyages de malades à prix cassé, avec des facilités paiement, comme par exemple pouvoir payer votre voyage en 4 fois. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez aller aux Maldives, venez tester le Kurumba Hôtel. On vous a bien sûr filmé tout ça. On va vous montrer toutes les activités qu'on a pu faire ici, tout ce qu'on a pu découvrir, nos fous rires, nos gamelles et nos frayeurs. Nos grosses frayeurs. Et ce qui est merveilleux dans ce voyage, c'est qu'en plus, on n'est pas parti tout seul. On va pas se mentir, s'ils ont déconné à un moment, c'est quand même là. Parce qu'à un moment donné, la belle-mère, c'est Cdiscount Voyage. Bon, c'était cool, hein, franchement, fantastique voyage. Mais la belle-mère, quand même. Ouais. Bon. Si vous voulez voir tout ce qu'on a vécu de fou ici, ça se passe maintenant. Suivez-nous. C'est. Nous sommes dans cette première journée en direct du paradis. Je suis déjà opérationnelle, maillot de bain, lunettes de soleil, cheveux en bazar. Et aujourd'hui on n'a pas d'activité prévue, donc ce sera essentiellement du bronzage, de la plage, du farniente. Du coup on va vous emmener avec nous, on va vous faire des belles images et vous faire goûter un peu ce bon soleil du mois de février aux Maldives. Alors c'est parti pour ce room tour incroyable. Vous avez ici la chambre parentale avec un lit pouvant accueillir jusqu'à facilement 20 enfants. Le lit est énorme. Vous avez là d'autres petits lits qui sont situés dans le salon. Et là, c'est le truc incroyable. On a notre plage, notre accès privé à la plage. Oh non mais regardez, c'est dans la chambre, là. Là, c'est-à-dire que j'ouvre ma fenêtre et je suis à la plage. J'ai même littéralement les pieds dans le sable. Je vais vous faire toute la visite, vous n'allez pas en manquer une miette. Bon ici rien de fou, hein. C'est là où on range absolument tous nos fringues. Et derrière cette porte là, se cache ma pièce coup de cœur. La salle de bain. Regardez-moi cette baignoire. Ici, vous avez une douche absolument énorme. Et regardez ce qui se cache derrière la salle de bain. Bon, on en profite. Hein. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est à l'eau. Hein. Ouchatch. Elle est pas belle, la vie? On est comme des rois. On a enfilé la petite tenue de plage. On s'est blindé à mort de crème solaire. On va aller faire une nouvelle activité. C'est les canoës transparents. On vous emmène avec nous. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Nous sommes déjà au deuxième jour aux Maldives. On a de nouveau aujourd'hui un temps de malade. On va en profiter comme il se doit. On a une activité à faire en famille. Ça va être un bateau, apparemment avec un sol en glace pour aller voir les poissons. Quoi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va aller tester ça ensemble. C'est parti. C'est des couilles, un poisson de taverne. Hein? Hein? Ça fait voir quoi? Tu veux vous filmer mon angoisse?
Bon, on a terminé cette petite excursion en bateau. C'était juste ouf, c'était hyper génial. Maman, tu valides ? 100%. Yoann, ouais. Tu valides ? Ça va. il est jamais content. Et Mathis, tu valides ? Yes. C'est validé, là on va aller rejoindre Ninou et Loulou qui sont restés à la chambre. Ils sont reposés aujourd'hui parce qu'ils ont pris un petit coup de chaud hier. Donc on va aller les voir et on va continuer cette journée. En tout cas c'était très 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 sympathique. Eh, pas belle la vie maman ? Corona vida. On vient de finir la petite pause repas. Yoann travaille dur. Il travaille dur hein. Regardez-moi cette plage, il y a un peu de vent. Mais c'est le vent qui nous sauve parce que ça calme un peu la chaleur. Alors nous sommes de retour à la plage, là on a été en fait à la piscine de l'hôtel pour faire un espèce de baptême de plongée parce que demain on va faire du snow curling, bref j'arrive toujours pas à le dire, on va aller plonger en pleine mer. Donc j'avoue, je stresse un peu beaucoup, clairement on va pas se mentir, et on profite et je pense qu'on va peut-être se mater le coucher de soleil ce soir. Sans t-shirt Ninou. Ah ouais, il a cramé en vrai, ouais. Il a le t-shirt pour éviter les coups de soleil. Oh là là, elle est encore là elle. On a essayé de la noyer, on n'a pas réussi. Les loulous, là on est sur la fin de journée, il est très exactement 17h57 et 48 secondes, ah ouais, 49 secondes, précis. 50 secondes. Et on se dirige voir un coucher de soleil. Ouais. D'ailleurs gars, c'est déjà trop beau, on va essayer de vous faire des images de ouf et on va surtout vivre le moment à 1000% et kiffer. Oui, il va se coucher, il va faire nuit Ninou. Belle maman, t'as du papier toilette qui est accroché à la robe. Hein. N'importe quoi. Maman, c'est pour toi que je le dis. Hein. Ninou, c'est pas trop beau. C'est magnifique, les couleurs sont dingues. Oh là là, c'est ouf. Regarde maman, ici il y a un crâne. Pas de coucher de soleil ce soir. Non, on est des poisseux des vacances. On a eu le seul nuage de toutes les Maldives qui a décidé de se poser devant le soleil. C'est beau ce que tu fais à l'image. Allez, on pagaie là. Bon, on a une nouvelle activité dans quelques minutes et c'est maintenant que tout le monde décide de faire la sieste. Maman. Oh, faut y aller déjà. C'est pas l'heure de la sieste. Oui. Toi aussi. Je vais te noyer. Arrête. Je vais t'abandonner dans l'océan Indien. Nouan, on va plonger. Jeune homme. Non mais je suis prêt, Nina. Je vois ça. Mes gourmandises, le bruit parle de lui-même en direct du bateau. On part en excursion et on sera pas tout seul. On va aller rejoindre mon meilleur ami et ma copine qui sont partis en vacances aux Maldives. C'est un truc de fou. On se connaît depuis plus de 20 ans. On est des vieux amis. Il est parti aux Maldives par pure coïncidence en même temps que moi et on s'est dit c'est pas possible d'être au même endroit et de pas se voir. Oula, je vais décéder dans ce bateau. Ça va Loulou ? Yoann il va vomir. Ouh, quoi ça mais. Ouais, c'est agréable. Bon, on n'arrive pas à le voir quand on est en France. Et là, on est aux Maldives. Et qui est-ce qu'on voit donc au plein milieu de l'océan Indien ? Regardez. C'est incroyable. Oh là là, quel homme. En plus de supporter ma mère, tu vas devoir supporter mon meilleur pote. Non, mais je préfère le meilleur pote que la même mère, je peux te dire. Ça va alors. Can I do it ? Non, vas-y, ça. J'ai plus de force au bras. Ah ! Jay va tomber, regarde, j'annonce. Mais tu peux la fermer, tu me pourris mon vlog. Je suis sûr qu'on y arriverait pas, mais t'as vu là. Tu mettras pas le son, qu'est-ce que t'as, je peux discuter avec mon meilleur pote que je vois au Maldives. Oui mais tu me fais chier là, je suis en train de filmer, merde. On va passer sur un pont pour le moins bancal. Là on est déjà sur un beau crabe hein. Allez Loulou, appuie sur le champignon.
Ciao. À bientôt en France. C'était hyper hyper cool, mais c'est passé beaucoup 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 trop vite. Là on retourne à l'hôtel, finalement il est encore très tôt, donc on va avoir toute l'après-midi pour profiter. Mais en tout cas c'était super cool de pouvoir voir Jérémy et Amy ici, à l'autre bout du monde, voilà. C'était ouf. On continue l'aventure. Mais Loulou, faut que je vous partage ça, on vient de vivre une expérience incroyable. On nageait tranquillement dans l'eau avec mon frère. On s'est retrouvés littéralement entourés de 4 à 6 requins. Je me suis littéralement mais cagée dessus, j'ai eu trop peur. C'était à la fois merveilleux et à la fois complètement effrayant. On a réussi à vous filmer ça. Et j'en ai encore le souffle littéralement mais coupé quoi. On a passé, Ninou, une journée assez chargée, on va dire, mon chat. Ce matin, on est allé plonger, on a nagé avec les raies, avec les poissons. Et toi, cet après, mon chat, les requins. Tu t'es fait happer par un requin. Et là, on va essayer de choper le coucher de soleil. Installation du drone. Infatigable. Bon, c'est un nouveau coucher de soleil échec. Les nuages sont encore de la partie, mais on a quand même des couleurs fabuleuses. Et des enfants toujours excités. Là, on est sur l'activité paddle. Je pense qu'à mon avis, mon Ninou, dans moins d'une minute, elle est au sol. L'activité paddle nous a littéralement rincé, on est fracassé, on crève de faim. Du coup, on s'est commandé un repas, mais un repas très particulier. Et bien sûr, on partage ça avec vous. Mon Ninou, viens nous montrer ce qu'on s'est pris pour manger. C'est trop bien. On va manger dans l'eau. Est-ce qu'on est confortable? Mais franchement, c'est hyper... C'est chelou de manger dans l'eau quand même, non? Très bizarre. Bon appétit. Merci. Notre premier vrai coucher de soleil sans nuage. Je crois. C'est dingue.
attaqué. Mais par un poisson, j'ai la preuve. Mes gourmandises, c'est déjà la dernière soirée sur l'île de Kurumba. Et là, du coup, on s'en va à la dernière excursion de ce séjour. On va essayer de voir les dauphins au coucher du soleil. Clairement, je pense que c'est l'excursion qui va marquer définitivement la fin de ce séjour. Dans leur milieu naturel. C'est trop bien. Ah putain. Oh là 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 là. Mes gourmandises, on vient de vivre une expérience. Une fin de séjour magique. À en chialer quand on a vu les dauphins, Nino, dans leur milieu naturel. Parce que, en fait, les voir dans leur milieu naturel, ça prend tout son sens. C'était beaucoup, beaucoup trop beau. C'était un séjour absolument merveilleux. Merci. Moi, j'ai la tête remplie de souvenirs. Merci, Nino, d'avoir combattu ta peur. Et un grand, grand, grand merci à Cédiscount Voyage pour ce voyage de rêve. C'est incroyable. C'était oufissime. Un grand merci à Kurumba pour leur accueil de dingue. Fantastique. On espère que cette vidéo vous a plu, on espère que ce partage de petits morceaux de bonheur avec nous nous a plu. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.